très agréable de profiter de ce moment pour se retrouver et échanger en ce début d'année. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux résidents, vu qu'il y en avait quelques-uns. Donc, Mademoiselle Julie Floriane, qui se présente, Monsieur Lamiel est absent, Lamiel Villiers, qui a remplacé, qui a acheté la maison à Madame Narbe et Hélène, Madame et Monsieur Lamine, Madame Galmiche et Monsieur Billet qui sont à la place de chez Trèvre Patrick, Madame et Monsieur Franck-Marlin qui sont ici présents, que vous connaissez, remplacé dans les petits logements de pas Madame Fagan Marie, et enfin, ils ne sont pas là, les jeunes gardons, enfin, le petit gardon Édouard. Il est né en fin d'année dernière, il est mignon comme tout. Nous sommes très heureux d'être accueillis à Chaussée. Malheureusement, et comme tous les temps, nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Alors, je pense encore une fois à M. Savoy-René, à M. Chartier-Jean, à M. Pelletier-Jacques et à Mme Raguin-Anne-Marie. Nous pouvons également avoir une pensée pour les victimes d'attentats survenus en France au cours de la vie. Et n'oublions pas nos malades, notamment Mme Narbé-Thérèse, Mme Savary, Mme Martin, M. Gay, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le connaissent, il est très très souffrant, ou d'autres qui n'ont pu se joindre à nous, notamment Mme Chevillard, ou encore celles qui sont absentes du village, je pense à Mme Regard, Garret Gervais et Mme Bonny. Je profite aussi de cet instant pour remercier au nom de tous nos jeunes qui viennent le 8 mai et le 11 novembre chanter au monument. Alors je les cite, parce que c'est quand même quelque chose de bien. Il y a Mademoiselle Foncet, Juliette et Anna. Il y a Mademoiselle Pepke Roman, qui est ici aussi. Ah non, elle n'est pas là. Ah, ben, voilà. Il y a Philippe Célia. Il y a Mademoiselle Perrin, Léa et Zoé qui sont présentes aussi. Alors je souhaite qu'ils continuent comme ça. Et il y a les enfants tout seuls. Je souhaite qu'ils continuent comme ça, comme ils ont fait voilà, deux ans. Et qu'ils incitent quelques-uns à les rejoindre. Ce sera encore mieux. Alors merci beaucoup à eux. Quelques infos sur les travaux réalisés sur la commune autour de l'année, ça sera un peu le budget. Alors, ça fait quelques jours, on compte 507 euros, donc 10 000 euros de subvention. On a fait l'agrandissement des réseaux de la rue de la Vieille Loire pour 19 068 euros, donc 4 516 euros de subvention. Alors l'agrandissement des réseaux dans la rue de la Vieille Loire, c'est pour accueillir M. Tisserand. Vous voyez ? De Thierry France. Vous voyez qui c'est ? Ensuite, on a fait. On a changé. Superchaîne. 14 850 euros, dont 11 800 de subventions. On a refait le parvis de la Fontaine en bas devant chez M. Delbros pour 27 514 euros, sur 10 000 de subventions. On a fait des points d'attente, c'était par rapport au FSS, c'est les réflexions de Beauce. On l'a refait en totalité cette année. Donc, ça nous a coûté 15 935 euros. Bon, je ne vous énumère pas tout, parce qu'il y avait d'autres travaux qu'on a fait. Donc, d'autres travaux ont été réalisés, le marquage routier, une borne d'aspiration au château d'eau, une borne de belle borne d'eau qui est chez vous, compteur d'eau changé au château d'eau, la bouche à clé de Mme Grandjean, on avait des soucis avec, les compteurs d'eau extérieure de chez M. et Mme Sayard et de Johnny Thomas. On refait un compteur d'eau, le bel extérieur. Ensuite, on a fait le terrain de faire le tour, parce qu'ici, on a fait le colombarium, et le mur du cimetière se trouve en derrière le colombarium. Le tout, avec tout ce que j'ai numéré, le tout représentant
fait, Jean. Je me plus. Je veux encore adresser un grand merci à Michel Claus et à Alain Vermeer, encore présent, pour le travail réalisé dans la commune. On a un boulot, on a un film, on a un effet. Alors pour 2005, les travaux en vue sont de terminer les terrains publics, dont 2000 vont nous parvenir rapidement, donc on a prévu de se changer le reste des lampes qui sont à renouveler, plus toutes celles de la rue de Bonal. On attend de vivre, on va voir comment on aura subvention, mais normalement, c'est bien subventionné. Ensuite, l'abribus et l'arrivée du haut débit à chasser, cette année, ces deux opérations sont totalement subventionnées. C'est bien, le conseil général, je vous informe que chasser, la première commune de la démocratie commune, a été réalisée à haut débit. Michel Delbos, pour avoir bien le. Ensuite, on a le projet d'aménager la rue de Bonal, de faire des bordures, de façon à essayer de faire de la vitesse. Oui, parce que les gens ne vont pas le faire. Chut. Pas écouter les gens. Et le mur du cimetière. Donc là, ça fait longtemps que ça galère. Donc, on va essayer de voir tout ça. Si on arrive à faire tout ça, on n'arrive pas, on reportera sur les autres années. Alors, je tiens aussi à les animations que la canine et pour les décos de village par le document et les belles réalisations de Noël. Je note aussi que Léa, Zoé, Juliette, Anna et Fanny ont participé au décos de Noël. Qui se parle très bien. Qui dort. Je souhaite aussi que ça fasse des élus. D'accord, merci à mon conseil municipal pour sa grande participation aux réunions qui a été complet. Merci également à mes trois adjoints qui font chacun aussi pour les concerts un travail important et très intéressant. Un dernier point, puisque je parle de mon conseil, on fera le maximum pour maintenir les impôts communaux à leur niveau actuel avec la tuile de certaines incidences. À compter du 21 janvier, vous aurez la visite d'une agréable personne. Il va passer chez vous, c'est l'Océane. Gentille personne, ce sera Océane Bouquet. Bien, on passe. Ah, vous lui réservez un accueil. Oui, j'en ai pas un café. Comme les ça, c'est bien, lui offrir un café. C'est l'envoi. Alors maintenant, je vous souhaite une très bonne année 2016. Oui, d'ailleurs. Très bonne santé à vous. Bon après-midi, j'ai également une nouvelle.